sont en bas de la Serpe. Ben, ceux-là, ils ont de la chance d'être en bas de la baie de la Serpe. Parce que eux, ils peuvent voir le soleil qui descend sur la mer. Les bâtiments. Bonjour Dominique Péréard. Bonjour. Alors là, vous venez nous faire une démonstration de votre univers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours ? Ah, vous parlez de mon parcours. Quelque part, j'ai commencé par la peinture. Et je commence assez tôt. Enfin, je pense que j'ai dessiné tout le temps. Depuis l'école. J'ai dû faire ma première expo personnelle. Je devais avoir 18 ans. 18 ans. Et le théâtre est intervenu au moment où j'ai fait mon service militaire. Donc on était plusieurs personnes. Et on a monté des pièces. Et c'était le début de mon travail au niveau de la scénographie. Dans le cadre de mon service militaire, j'ai fait une peinture, aussi une grande fresque, qui faisait 3 mètres sur 4 dans la chapelle. Alors c'était bien pour moi, parce que pendant 6 mois, je partais avec ma petite valise, mes petits pinceaux, et pendant que les autres marchaient au pas cadencé, moi, je me prenais pour un petit Michel-Ange. Bon, le service militaire s'est terminé, et France m'a contacté, dit « Voilà, je travaille dans un cours, on a besoin de quelqu'un pour faire un décor », donc je suis monté sur Paris et j'ai fait un décor. C'était le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Bon, il fait des grandes fleurs métalliques et tout. Théâtre de l'Athénée, c'était assez sympa. C'était aussi ma rencontre avec le théâtre. Et le théâtre, c'est une machinerie magnifique, quoi. Ça rappelle des bateaux, des perches qui montent et tout. Et ça m'a carrément envoûté. Et on retrouve ça dans le théâtre que je cherche à faire. Les panneaux peints, les choses qui montent et qui descendent. Donc il y a quelque part de la tradition du vieux théâtre dans ce que je fais, mélangé avec mon imagerie quoi, et mon imagination. Donc, dans mon parcours, il y a toujours eu théâtre et peinture. Et à un moment, là, alors, au début, je peignais de la peinture normale, si je peux dire, hein, de la peinture à plat. Et puis un jour, alors, les masques, parce que j'ai fait beaucoup de masques, dans la mesure où on faisait beaucoup de théâtre de rue, et les masques, quand on en avait trop, les brûlait. C'était magique de voir les flammes sortir, des trous de nez, des choses comme ça. Et chose un peu étrange, c'est que lorsque la tête était brûlée, elle restait en forme, toute grise, couleur de cendre. Et mes gamins adoraient donner un petit coup de baguette sur le visage, et hop, ils partaient en poussière, dans le vent, et avec le mouvement des flammes, c'était vraiment magnifique. Donc un jour, les masques étaient là empilés, il y avait un magnifique rayon de soleil dessus, et « Ah, pourquoi pas en faire un tableau ?» Et donc j'ai commencé à coller les masques, à faire des agglomérats, et c'est comme ça que le travail en bas-relief a commencé. Et jusqu'au moment où j'ai eu envie d'autre chose, donc je suis parti avec ma petite deux chevaux, des masques et des marionnettes, et j'ai commencé à faire du théâtre de rue à travers la France. En montant des troupes, en faisant des activités d'art plastique. Alors bon, j'étais à Arles, à Cahors, dans les Pyrénées-Orientales, Poitiers, pour revenir après sur la région parisienne. Où, en 99, la mairie nous a prêté ce local. Et là, vous êtes dans le petit théâtre qu'on a construit dans le cadre de l'association, oui, une association d'artistes, oui, à courte échelle. Ces deux personnages font partie d'une création qui s'appelle Bord de mer et qui s'est mise en scène dans le cadre d'une exposition à Melun qui s'est tenue à l'espace Saint-Jean du 8 février au 29 avril dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous l'avez intitulé « Prise de tête » ? Alors, « Prise de tête », c'est un pas de moi. Michel, le responsable de l'espace culturel de Saint-Jean... Michel Berthelot. Oui, c'est ça. Il m'avait demandé, j'ai dit, est-ce que tu veux mettre un titre sur ton exposition ? Oui. Alors bon, bah, j'ai réfléchi, j'ai rempli une moitié de page de titres.
et c'est lui qui a choisi prise de tête. Alors quelque part, la prise de tête, elle était pour moi au départ. Donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets, parce qu'il y a une telle diversité dans ma production que... alors j'ai fait un petit plot un peu abstrait, un petit plot ceci, un petit plot cela. En gros, combien d'œuvres vous avez exposées? Oh, il y en avait 100, plus de 100, quoi. Oui. Donc oui, je vais continuer aussi sur l'histoire de prise de tête. C'est qu'à partir du moment où j'ai su que l'exposition allait s'appeler prise de tête, après, pour moi, c'était la liberté. Donc je regardais mes tableaux, pas de tête, celui-là je le laisse. Pas de tête, celui-là je le laisse. Ah tiens, une tête, je le prends. Et petit à petit, j'ai accumulé donc, la série qui est partie sur l'espace Saint-Jean. Si je comprends bien, vous partez du théâtre. Et est-ce que vos masques sont des caricatures de la société contemporaine dans laquelle nous évoluons, chacun d'entre nous? Alors, en toute simplicité, je ne fais jamais de caricature. Non, je veux dire, l'histoire, l'idée est là. Et par partir de l'idée, l'histoire se construit avec la mise en forme. Alors, il y a une mise en forme avec les masques, avec les marionnettes. Mais il n'y a jamais la tentative de chercher à caricaturer une personne ni quoi que ce soit. L'histoire, au fur et à mesure qu'elle se construit, elle se suffit en elle-même. Exposition, on voit aussi 27 figures successives. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors ça, la série, j'avais plein de plaques de contreplaqué, je les ai découpées, et j'en ai eu 33. Donc j'ai étalé mes 33 plaques de contreplaqué, et j'ai commencé un visage. Et avec justement ces agglomérats, ces mélanges, j'utilise le papier un peu comme de l'argile. Et j'ai fait des mélanges avec du sable, de la terre, enfin tout un ensemble de choses. Le visage, le premier visage m'a emmené à un deuxième, le deuxième à un troisième, le premier m'a ramené à un quatrième, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la série des 33 s'est faite comme un seul tableau. Et j'ai appelé ça des figures, avec un petit jeu de mots. Des figures, ben avec des filles. Parce que quand on travaille le relief, bon, je veux dire, quand je fais une peinture simple, je vais introduire des ondes qui vont donner du relief à ma peinture. Avec le bas-relief, c'est autre chose. Déjà, il y a quelque chose qui ressort. Et dans la mesure où il y a du volume, ça va prendre la lumière, selon la position, soit du soleil, soit de... Donc quand on fait une peinture, il faut à la fois jouer sur la peinture et en même temps garder la magie du relief. Donc il y a toujours un petit jeu, un petit équilibre dans le déséquilibre à trouver. Et on a une idée de ça en suivant le mouvement de des figures. Est-ce que vous avez aussi des références symboliques dans vos figures, vos masques, en fait toutes vos créations, quoi? On remarquera que vous utilisez les mêmes tonalités de couleurs. Est-ce que ces couleurs signifient quelque chose? Alors les... Bien sûr, bon, chaque couleur a une signification, mais quand je travaille sur un tableau, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, il n'y a pas une sorte de petit, introduction, de réflexion intellectuelle sur « je vais mettre du rouge parce que ». Je veux dire, au fur et à mesure que le tableau évolue, la couleur s'impose.
petit à petit, elle se révèle. Enfin, ça impose, non, oui, quelque part, on peut dire qu'elle s'impose. Mais elle se révèle au fur et à mesure. Donc, celui-là, la dominante est rouge. Alors bon, le rouge crée une dynamique et en même temps, intérieurement, introduit un repos. Bon, si on veut parler un peu dans la façon dont les couleurs peuvent agir. Le rouge extérieur agit comme le vert intérieurement. Donc c'est vrai qu'il y a des tableaux... alors bizarrement, quand on est dans une dominante verte, intérieurement, ça crée une dynamique. Alors ça, bien sûr, on peut le dire après, mais je veux dire, il n'y a pas cette réflexion-là au moment où je fais le tableau. Mais vous parlez de ressenti, là. Après le... Alors, le ressenti, oui, ressenti, ce que génère la couleur. Ce que génère la couleur... La couleur agit sur le sentiment. Quand on regarde quelque chose, en fonction de la dominante, on va en tirer un sentiment de, je sais pas, d'agressivité, un sentiment d'nervosité, ou un sentiment apaisé. Plutôt que le ressenti, mais le ressenti va amener à l'émergence d'un sentiment. Et je crois que c'est le sentiment qui est intéressant. Parlez technique maintenant. Vous travaillez avec du papier encollé, il me semble. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthode pour arriver à ces masques ? Pour faire le masque, il y a d'abord un travail sur le volume, sur l'argile. Donc, on cherche le visage avec l'argile. Ensuite, on colle le papier par-dessus. Une fois que le papier avec de la colle. Une fois que le papier est encollé, en séchant, ça devient du carton. On démoule. Puis après, bon, on peint, on maquille ce visage en fonction de l'idée qu'on en a et puis de la pièce qu'on veut jouer. Après, il y a la pâte à papier. Alors la pâte à papier, c'est autre chose. Hein. On prend le papier, le papier est mixé. Ensuite, il est filtré. Et moi, j'ai plein de boules, plein de petites boules en plâtre. Et je mets ma pâte à papier dans ces boules en plâtre. Une fois que le papier est sec, alors je remplis des boîtes un petit peu partout. Et puis après, en fonction des besoins de l'idée que j'ai, je vais coller tous ces petits visages, des petits, des grands, des moyens, sur des supports. Il y a ça et aussi, j'aime bien jouer sur la relation avec les éléments. Alors j'ai une structure qui s'appelle suspension, ce qui fait qu'en fonction du lieu, j'accroche des visages en papier, en pâte à papier, et qui sont là en suspension dans l'atmosphère. Moi, j'appelle ça des révélateurs de courant d'air. Depuis que j'ai fait ce travail, j'ai toujours fait des ateliers, j'ai toujours cherché à partager les techniques, mes envies de jouer, de raconter des histoires, de faire de l'image, de faire danser les couleurs et tout ça. Donc, au début, il y avait l'exposition à Saint-Jean, puis après, en discussion, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Et je crois qu'eux ont un peu sauté sur l'occasion, parce que ça amenait vraiment. Ça a été. Ah oui, c'est assez. Donc s'il y a un événement, si c'est possible d'accoupler cet événement, l'exposition, hein, de pouvoir accoupler ça avec des ateliers, des rencontres, alors ben, tant mieux. Ça fait partie de vos projets à venir. Oui. Oui. Alors ben, ça, c'est pas... Moi, je suis à disposition. Hein, maintenant, ça dépend comment les autres vont répercuter, réfléchir le projet. Cosa chiaro? Come ça me prend, come ça me chante.
Vous vous intéressez par ailleurs à l'ésotérisme. Comment intervient-il dans votre univers artistique ? Alors, l'ésotérisme, qu'est-ce que ça veut dire, l'ésotérisme ? Il y a exotérisme, c'est ce qui est connu, et l'ésotérisme, c'est ce qui n'est pas encore connu. Alors, bon, tout dépend où on le place. Moi, lorsque je rencontre un scientifique, son discours est complètement ésotérique pour moi. Alors, tout dépend où on le place, l'ésotérisme. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une autre dimension, je dirais, il y a une matérialité, il y a aussi quelque chose qui est imbriqué dedans, qui est beaucoup plus sensible, qu'on peut appeler spiritualité ou des choses comme ça. Mais bon, dès qu'on parle de spiritualité, c'est tout de suite connoté église, ce qu'on veut, etc. Alors que, bon, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose pour qui participe du tout, comme la matérialité participe du tout. Donc la quête de cette partie un petit peu subtile, ça m'intéresse. Je pense que l'environnement, là, tout ce qui nous est, tout ce qu'on met en attraction, le lieu, vous, les personnes qui êtes là, ça participe de la créativité. Et c'est à nous d'en faire quelque chose qui, petit à petit, transforme, mais transforme dans le sens de la qualité, de l'autre, de la luminosité, Et c'est un boulot, je pense qu'il ne faut pas se laisser faire à ce niveau-là. Donc, et créer, ça ne veut pas dire rester les mains dans les poches, ça veut dire vraiment faire émerger quelque chose. Comme ça émerge dans les tableaux, mais faire émerger aussi une qualité dans la relation à l'autre. C'est le message que vous donneriez pour finir ? Peut-être, oui. Créer. Créer, oui. Produire. À tous les niveaux. Être en action. Produire, c'est pas le créer, déjà, à partir du moment où on crée, il y a quelque chose qui se passe. Voilà.